Bonsoir Raphaël Baquet, Vanessa Schneider. Bonsoir. Grand reporter au Monde quotidien dans lequel vous avez signé ensemble cet été une série sur les grandes fortunes françaises, l'Empire Bolloré, Lagardère, Arnault, LVMH, Sédou et Pathé ou encore L'Oréal et Bettencourt. Série qui devient un livre, Succession, l'argent, le sang et les larmes. On est ravis d'en parler aujourd'hui avec vous. On a vu à quel point l'héritage, les droits de succession sont autant vraiment des sujets très tabous dans le débat politique. Et ça intéresse particulièrement les grandes familles là, que vous évoquez dans ce livre. Ah oui, ils sont très très à l'affût de tout changement de législation. Ces grandes fortunes, bah, ils ont une armada d'avocats, de fiscalistes, de conseillers fiscaux qui observent tout à la lettre, puisque bah, leur but c'est de gagner beaucoup d'argent, oui, de transmettre leur argent, mais de le transmettre en payant évidemment le moins d'impôts possible. Donc il y a un lobbying carrément ? Alors, il peut avoir une forme de lobbying. Par exemple, Bernard Arnault, aucun président de la République n'a... reçu la visite de Bernard Arnault à peine élu. C'est un des premiers sujets qu'il veut aborder, depuis Chirac jusqu'à Emmanuel Macron, pour expliquer que non, on taxe trop, qu'il faut faire comme ci, comme ça, et pas comme ceci, comme cela. Donc oui, évidemment, évidemment, il y a des pressions. Ils utilisent tous les mécanismes de transmission que favorise la loi, et en particulier les donations du vivant, qui permettent aux héritiers d'avoir l'entreprise, pas la gouvernance, mais l'entreprise sans quasiment de fiscalité. Pour vous donner juste un chiffre qui va éclairer peut-être les téléspectateurs, la nue propriété, elle se transmet, chacun essaie de le faire de son vivant, hein, elle se transmet par tranche pour justement exonérer au maximum de l'imposition. Et on sait que par exemple en 2017, à Noël, Bernard Arnault a donné à ses 5 enfants, à chacun, 73 millions d'euros. Ça fait un joli cadeau sous le sapin. Et ça s'est reproduit tous les ans, puisque c'est par tranche. Voilà, joyeux Noël chez nous. Si la question de l'héritage et de la succession obsède les patrons de ces entreprises, c'est qu'il y a un adage que vous rappelez. La première génération crée, la seconde gère, la troisième tue. Tout l'enjeu, évidemment, c'est de faire mentir cette prophétie. Et le principal danger, c'est pas l'État, c'est pas la conjoncture économique, c'est le clan lui-même. Oui, ce qui nous a frappé, en fait, c'est que dans ces successions, c'est pas vraiment une affaire d'argent. C'est une affaire avant tout de sentiments. Hein. Ou de ressentiment. Comme dans toutes les familles, voilà. Il y a des frères bannis, il y a des enfants préférés, il y a des jalousies terribles, hein. Il y a des rivalités très cruelles. Et ça, ça a des conséquences. Bon, dans toutes les familles, ça peut en avoir, bien sûr, mais là, c'est une conséquence cruciale puisque ça peut mettre en danger un groupe industriel. Et donc, c'est ça qu'on a voulu raconter. C'est à la fois entre le grand capitalisme français et les secrets de famille. Ce qu'a bien compris Vincent Bolloré, à la tête du groupe du même nom, un groupe coté en bourse, est toujours contrôlé majoritairement par la famille Bolloré. On a, depuis 188 ans, traversé trois guerres, hein, 70, 14, 40, une grande crise économique, des disputes familiales, mais on est toujours là. Alors si on est toujours là, d'abord c'est parce que nous avons gardé le capital de la famille entre les mains, le capital de l'entreprise entre les mains de la famille, ce qui nous a permis quand même, au lieu de verser des dividendes, d'utiliser l'essentiel de notre argent pour aller dans des nouveaux produits. Aujourd'hui, Vincent Bolloré, officiellement, n'a plus de rôle opérationnel. Ses 4 enfants sont salariés du groupe, mais c'est toujours lui le boss. Ah oui, il n'a pas lâché l'affaire. Il ne la fera pas, ouais. En tout cas, pas pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on plonge dans l'histoire familiale, effectivement, il le dit, d'ailleurs, son obsession, c'est de ne pas perdre le capital. Et évidemment, la menace ce qui menace chaque famille, c'est les divisions. C'est à quel point il a réorienté la stratégie du groupe pour y ramener ses enfants, avec lesquels il avait eu un conflit. Et ça, on le sait moins, et c'est ce que nous racontons. Au moment de son divorce, il se trouve qu'il est parti avec sa belle-sœur, et donc avec les cousins de ses enfants, et ça a été une rupture très très violente au sein de la famille. Ce n'est pas seulement une histoire de vie privée, évidemment, ça pouvait avoir des conséquences graves, et il a mis tout en œuvre, à la fois tout son charme, toute sa séduction et toute sa stratégie industrielle pour ramener ses enfants dans son giron, faire en sorte qu'ils rentrent dans le groupe et qu'ils soient capables de lui succéder, surtout deux d'entre eux, Yannick et Cyril Bolloré. C'est un peu pareil pour Bernard Arnault à la tête du groupe de luxe LVMH. Il a 5 enfants et récemment, il a fait voter par ses actionnaires une modification des statuts pour qu'il reste directeur général jusqu'à 80 ans au moins.
C'est ne pas choisir d'héritier, rester jusqu'au bout pour être sûr de maintenir le groupe en bonne santé jusqu'au bout. Alors, il y a deux raisons. C'est d'abord se croire immortel. Il y a un certain nombre, ce qui nous a frappé, un certain nombre de grands patrons comme ça qui ne se voient pas du tout vieillir, qui d'ailleurs s'entretiennent extrêmement bien, qui sont très suivis par des médecins, par des diététiciens, par du sport, qui font très très attention à leur santé et qui pensent être centenaires. Donc du coup, forcément, à 75 ans, ils se disent bah, pourquoi pas faire 10 de plus, je suis très en forme et tout va bien. Dans le cas de la famille Arnaud, c'est aussi parce qu'il n'a pas choisi pour l'instant entre ses 5 enfants. C'est une fratrie un peu particulière, mais à l'image de très nombreuses fratries françaises, c'est qu'une fratrie issue de deux mariages, donc deux enfants aînés d'un premier mariage et trois plus jeunes d'un second mariage. Et quelque part, il les a mis tous à l'intérieur de l'entreprise. Il n'y avait pas d'autre option possible. Chez les Arnaud, on travaille pour le groupe et chez LVMH, on ne peut pas imaginer aller faire, je ne sais pas, de l'athlétisme ou jouer de la guitare. Bon, on travaille pour le groupe. Et il les teste un petit peu à la manière de chevaux de course. Hein. Il y a un côté, en même temps, il les forme, il les éduque, il leur donne tout ce qu'il faut pour... Oui, une formation d'exception. D'exception, dans laquelle ils s'engagent personnellement, ce qui est assez rare, hein, parce que dans tous les patrons qu'on a côtoyés, généralement, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'éducation de leurs enfants. Mais là, c'est comme s'ils étaient tous sur une ligne de départ dans un couloir et ils observent lequel sera le meilleur pour lui succéder. Bernard Arnault, on l'a dit, a préparé, prépare ses enfants à lui succéder, ce que n'a pas fait Jean-Luc Lagardère. C'est ce que Arnaud Lagardère, d'ailleurs, vous a confié. Pourtant, c'est de là, jusqu'à la mort soudaine de Jean-Luc, qu'ils se sont aimés et ils ne se quittaient pas d'une semelle. C'est ce qu'on va voir dans ce document diffusé en 1976. C'est un long portrait de l'homme d'affaires Lagardère à qui tout réussit et qui avait accepté de laisser entrer les caméras du journal de TF1 chez lui dès le petit déjeuner. Signe particulier, ne fume pas, ne boit pas, travaille. Dès le petit déjeuner auquel il convie toujours un proche collaborateur. Deux passions, son fils et son métier de meneur d'hommes. Une vie partagée entre trois bureaux, à Vélizy et à l'Étoile pour la Matra, ainsi qu'à Europe 1 dont il est le vice-président. Bon, chérie, allez, travaille bien. Hein, monsieur ? Oui, oui, sûr. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Merci. Lagardère ici. Bon, vous me passerez alors là toutes les... Je suis un homme d'action, un homme d'équipe qui anime, qui chauffe, qui met le charbon dans la machine. Alors malgré les apparences où le père semble associer son fils à la gestion de l'entreprise, puisqu'il y a une réunion qui se déroule à la table du petit déjeuner, jamais il ne lui a dit « tu vas me succéder un jour ». C'est ce qu'il vous a confié. En revanche, ce qu'il ne vous a pas confié, c'est que peut-être que Jean-Claude Lagardère ne voulait tout simplement pas lui donner la succession. C'est vrai que c'est l'exemple même d'une succession ratée. Et c'est d'ailleurs le contre-exemple que pratiquement tous les patrons ont à l'esprit. C'est un homme qui aimait son fils, bien sûr, mais qui s'aimait d'abord lui-même. Et c'est un père écrasant. Ça, c'est le premier écueil quand on veut transmettre son entreprise. Il a littéralement écrasé son fils, d'abord sous un déluge d'argent. C'est un problème, évidemment. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres familles. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres familles. Où l'argent de poche était compté. Exactement. Et puis, il l'a privé de sa mère. Dès l'âge de 11 ans, il a eu un divorce très conflictuel avec son ex-femme et il a réussi juridiquement à la priver d'une grande partie de ses droits de garde et donc il a privé son héritier d'une forme d'équilibre. C'est très important parce qu'encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, la succession réussie, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de psychologie. Et là, on a un héritier qui a presque une espèce de névrose oedipienne qui systématiquement, au fond, a détruit l'œuvre de son père.